Bon, bah quand on se retrouve ici, c'est jamais pour le fun. Salut, nous, c'est Julie et Quentin. On vient de finir d'aménager Orion, notre bon vieux 308D de 1989, afin de prendre la route vers le Portugal. Mais ce n'est que le commencement. Alors, laisse-nous te conter nos histoires. Dans la vidéo précédente, on s'est laissé au pic de Néoulos. Maintenant, il est temps pour nous de rejoindre l'ami qui nous a conseillé ce spot. Mais avant de la rejoindre, nous avons une étape à faire. Bon, du coup, on s'est mis sur un parking. On a pris l'option touriste, c'est-à-dire que bah, le parking est payant, mais l'avantage c'est qu'il a des services, on va pouvoir vider nos toilettes, on va pouvoir re-remplir nos bidons d'eau, donc ça c'est cool. Et puis on a décidé de visiter les gorges de Carança qui apparemment sont magnifiques. Et l'avantage en fait c'est que bah, le camion il est là et l'entrée de la rando elle est juste là. Donc ça c'est top. Par contre là il pleut, donc on va attendre demain matin, normalement la pluie devrait se calmer. Et en attendant, on va faire un petit peu de bricolage parce qu'il y a des choses qui ont cassé, des choses qui sont desserrées. Donc c'est parti, moment bricolage. Et voilà, c'est réparé. Ça se réimante normalement. Alors sur celui-là, l'eau propre, tout va bien. C'est sur celui-là, sur l'eau sale, qu'on a un petit problème. Et je vais... Le bricolage fini, il est temps de se poser un peu au bord de la rivière. Julie adore lire les pieds dans l'eau et sur ce spot, elle est servie. On mange et au dodo, demain, c'est rando. Il est 7h du matin, on prend le départ de la rando et ça c'est vraiment cool d'être en van parce que on dort sur le spot, le matin on part, il n'y a personne, on va pouvoir profiter des gorges de Carança comme il faut et ça c'est top. Ça y est, on a fini la rando des gorges de Carança. C'était super bien. Il y avait tout plein de ponts de singes, Enfin bon, c'était vraiment super. On est passé au-dessus de la rivière, il faisait super bon. Là, il recommence à faire super chaud. Donc on va reprendre la route. On va rejoindre une amie à moi qui habite dans les Pyrénées. Et on va essayer de visiter un petit peu plus les coins locaux avec elle du coup. Et voilà. Now you can't tell me what we had was a war.
Bon, du coup, changement de plan, on devait faire pas mal de randos dans les Pyrénées, on devait faire le lac des Gobes, on devait faire le cirque de Gavarnie, on devait faire aussi le lac de Montagnon, mais ils annoncent de la pluie pendant plus d'une semaine. Donc, on va chercher le beau temps, donc on a passé la frontière, là on est sur une route espagnole, et on se dirige doucement vers les Pardenas. Et là, ça va faire plaisir. On s'est trouvé un petit spot pour passer la nuit, mais ça va vraiment être une étape. Les choses vont vraiment commencer demain, parce que demain on trace dans les Bardenas. Et je vous rappelle qu'au cul de Orion, il y a Odette, la petite XT 250 de 1982, et je pense qu'on va se faire extrêmement plaisir à rouler dans ce petit désert sympathique. J'en ai profité dans les Pyrénées pour acheter une housse aussi pour Odette, parce que comme il arrête pas de pleuvoir, enfin il arrêtait pas de pleuvoir du moins dans les Pyrénées, elle était complètement dégueulasse et ça m'énerve. Alors comme ça, c'est moche, mais au moins quand je la descends, elle est parfaite. On se rapproche doucement des Bardenas au fur et à mesure que le paysage se dessine. Et voilà, nous y sommes. Mais ça sera pour le prochain épisode. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Et bisous, bye!